Le jour de la visite du terrain, donc on vous en dit un peu plus. Donc aujourd'hui, on va visiter un terrain avec des maisons troglodytes. Donc on verra bien, ce sera soit tout bon, soit tout mauvais. On verra, on verra. Et exceptionnellement, qui c'est qu'on a avec nous? Andrea et Matteo. Pour une fois, c'est eux. Mais vous pourrez remarquer que ce sont ceux qui n'ont pas pu manger au Burger King. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On se demande à moitié leur motivation quand même. Ah non, moi, tu peux voir le terrain. Non, on va pas manger au Burger King. Je fais plus confiance à Matteo sur sa propre motivation. On verra. On a appris de quoi manger. Oui, pour le midi. Ah, y a deux repas dans la journée. Hein. Non, parce que le terrain, il est quand même à 300 km. Voilà. Donc, on va voir pour faire des petites vidéos. On n'a pas demandé encore l'autorisation de filmer, donc j'espère que ça va le faire. Et puis, Pauline et Jade sont partis au VVF travailler. Et du coup, comme elle n'a pas la voiture, ils vont passer la journée et en profiter pour s'amuser l'après-midi. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que notre planning a été retardé un peu ce matin. Et pour rien, nous avions aussi comme chose importante aujourd'hui, c'était la visite de la compagnie des eaux pour pouvoir faire le... Comment on appelle ça ? L'assainissement, la certification de l'assainissement. Voilà, la certification de l'assainissement pour la maison, ça fait partie des papiers qu'il faut avoir lorsqu'on vend une maison. Ben c'est nouveau maintenant, ouais, c'est obligatoire, un diagnostic obligatoire. Un voilà, plus. Un plus. Et en l'occurrence, nous avions eu un problème de canalisation bouchée il y a plusieurs années de ça. On avait prévenu, on a fait plein de démarches à l'époque pour dire qu'il n'y avait pas de trappe ouverte, que ça avait été recouvert parce qu'ils avaient refaire les trottoirs et tout ça, et que ça posait problème. Ils n'ont rien pu savoir, soi-disant que ce n'était pas obligatoire, soi-disant que voilà, ils n'avaient pas le temps et compagnie. Mais là, quand il s'agit de faire le papier pour nous vendre, eh bien, oui, c'est obligatoire, normal. Donc, du coup, bon, par chance, nous sommes tombés sur quelqu'un de sympathique qui fait tout pour que les personnes qui étaient censées se déplacer et faire les choses bien en amont, ça soit fait dans les 24 heures et qu'elles puissent revenir pour faire le diagnostic pour qu'on ait le papier pour la vente. Voilà. Mais c'est un peu dommage. Voilà, c'est toujours pareil. Quand on a des choses administratives à faire, on galère, on galère, on galère. Mais on va y arriver, vous allez voir, on a la volonté. Coucou les popilous. Alors, vu que toute la famille est partie en Bretagne visiter le terrain et que moi j'étais bloquée ici pour le travail, donc j'ai eu le club de 10h à 12h30, mais j'ai personne pour venir me rechercher avec Jade. Et on a un nouveau club de 20h à 22h pour la veillée, donc on est obligé de rester là jusqu'à ce soir. Ah et là du coup, là. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On va à la piscine du VVF. Voilà, et il n'y a personne en plus. On est sur le temps du midi, il est un peu plus de 13h et du coup... En plus, il fait chaud, c'est trop bien. Il fait chaud, c'est bien. Voilà, on a mangé, le club ça s'est super bien passé. Ils ont construit un nid d'abeilles. Oui, la barre est très chaude. Ils ont construit un nid d'abeilles. Ils ont fait des mains, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis on a mangé et maintenant on va s'occuper à la piscine et on ne sait pas complètement où il est resté. Voilà. Mais malheureusement, on n'a pas le gros bouée ou les trucs qui sont en plastique. Ah oui, sinon ça prend trop de place. Je vais essayer de me dépouiller. Voilà. Thank you.
on est presque arrivé. Et normalement, on devait se retrouver avec nos amis sur place, mais ils sont pas du tout au bon endroit. Faut qu'on vérifie s'ils sont loin ou pas. J'espère qu'on s'est pas mal compris. On va voir. Au pire, on se retrouvera un peu plus tard. On se retrouvera un peu plus tard, oui. Ah, 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 c'est qui là? C'est qui là? Bon, ça va, ils sont au bon endroit. Bon, les petits malins. Et du coup, on est arrivé pratiquement en même temps. Ah bah ouais, oh non, putain. On peut faire. Alors, on vient d'arriver. Bon, le terrain, bon, à étudier quoi. Ah, il y a des petites grottes ici déjà. Tiens, les pêches là. Ouais, les pêches. Oh non, c'est pas encore. Ah mais il y en avait là-bas, j'espère. Il y avait des brugnons, des pêches, des mangues. La première bande qui est là-bas, c'est peut-être que vous montrerez ça après, un peu plus en détail. Oui, je crois. Oui, oui. Oui, oui, oui. Les petites images en même temps. Oui. Ah oui, c'est mieux. C'est pour punir les enfants qui font chier. C'est frais, voilà. Et l'été, c'est frais. L'été, c'est frais, et l'hiver, c'est chaud. Ouais. Voilà. Il y avait une avantage de dit, ouais. Ah, parce que... Il y a une cheminée avec le... Ça, c'est conduit. Le fameux pressoir, là-bas, du coup. J'aime trop. C'est joli. On marquerait la présence d'instruments de musique. Pour mettre un coussin. Ouais. Ça, c'est la bonne place pour une batterie. Alors, faut laisser les instruments de musique, hein. Voilà, il n'y a pas besoin de les retirer. Et donc, au niveau de la, la partie du flash, c'est... Ouais. Quelqu'un a un flash? Non. Ah, oh, c'est excellent. Non, non, j'aime le noir. Allez, viens. Il y a déjà un flash là-bas. Ouh. Attention, il y a un chien aussi. Bonjour. Bonjour. Il y a même des roues. Un trou là. Ça, c'est le, c'est le puits. Un système de remplissage ou recreuser, il disait peut-être. Il y a l'eau en dessous, en fait. Mais... Ouais, il faudrait gagner encore un mètre et demi de mètre. Bon, alors il faut qu'on réfléchisse. Parce que voilà, vous voyez, on part. Et donc, il y a deux choses. Il y a le puits qui est sec, mais qui y aurait la source sans problème. Ça aurait été vérifié. Donc, ça, comme j'ai dit au monsieur, bah, vérifier quand même. Et puis l'accès. Voilà, et comme vous voyez, là-bas, ça fait quand même tunnel un peu fermé. Bon, au niveau du bas, je vous dirais, Stéphane, il suffit qu'il place bien ses roues, il n'y a pas de problème, les voitures passent et tout. Donc voilà, c'est plus au niveau de la largeur et du haut qu'il va falloir réfléchir la chose. Bon voilà, c'est reparti, on va aller voir deux autres terrains avec des grottes aussi. Partie des caves troglodytes. Donc là, c'est un peu différent. Donc il y a la route au milieu. L'accès, c'est toujours le gros problème avec le bus. Savoir si c'est possible ou pas. On va bien voir. Et après ça, on va réfléchir. Il fait super beau, super chaud. C'est cool. Ça y est, on est sorti de la piscine, on s'est bien amusé. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Jaja ?
Bah là en fait on est en train, enfin je suis en train, mais toi aussi du coup je pense, de faire les... On est en train de préparer les galets. Les galets. Puisque ces galets serviront demain pour la chasse aux œufs de Pâques. Au lieu de trouver des chocolats, ils devront trouver des galets. La couleur, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Qu'ils échangeront après contre des chocolats. À chaque fois qu'ils trouvent un galet, ils ont le droit à un chocolat. Voilà. Et donc, Jade, elle est en train d'en repeindre pour qu'il y en ait un peu plus. Pour pouvoir en cacher encore plus. Voilà. Ça te fait plaisir, Jaja ? Tout à l'heure, je vous montrais le boulot qu'on a fait avec les enfants aujourd'hui. Donc, ils ont fait leur empreinte de main sur une grande feuille. Celle du milieu, c'est la mienne. Jaja, la tienne, c'est celle-là. Voilà. Avec des petits dessins. On a d'ailleurs un enfant qui est très doué pour dessiner. Il dessine très bien, franchement. Voilà. Et donc, on a laissé de l'espace pour les autres enfants la semaine prochaine qui mettront aussi leurs empreintes, ainsi que les semaines d'après, jusqu'à la fin. Voilà. Et ils ont aussi fait, ce matin, ils ont construit une petite niche pour abeilles qui sera accrochée bientôt dehors. Quand j'aurai trouvé le directeur pour lui montrer. Voilà. Et ça, c'est une affiche qu'ils ont fait hier. On ne voit pas parce que c'est à l'envers, c'est marqué Maxibou. Voilà, c'est le nom du club. Maxibou, 6-10 ans. Voilà. Ouais. Ah, ça, c'est de la vraie cave. 350 370 mètres carrés de cave. D'accord. On peut faire le tour si vous voulez. Oui. Donc ici, c'est brut. Hein. Avant, c'était les locataires rentraient leur véhicule et puis ils stockaient un peu leur bagage. D'accord. Ça, c'est grand aussi. Ah oui, plutôt, oui. Enfoncement, oh, c'est génial. Attention à la tête. Oui. Ouais, attention à la tête. Moi, je suis petite, alors ça passe. Moi, aussi, ça passe. Moi, je n'y pense pas forcément. Les mêmes petites, là. Cachet, hein, c'est chouette. Hein. Ici, oui. Ouais. Oui. Non. C'est logique, elle a l'air que des planches. Mais il y avait une source avant, du coup. Oui, avant. Il y a encore une cave derrière. Vous savez combien il y a la rivière en plus pour le... On ne voit pas grand-chose, mais c'est encore une cave, ouais. Ouais, ouais. Là, il y a un trou, ici, on ne voit pas. Mais bon. Fermé. Elle veut dire, je suis plus un gamin, je suis majeur. Du coup, moi, je vais être sportif. Je précise, on pose la question de savoir si le bord de Loire est inondable. Oui. Ça semble assez logique. Non, ça fait 10 ans que j'habite là. Pour le parti de Cave, le bord de Sapin de Noël. Donc là, il y a et ça arrête un hectare.
derrière. D'accord. Donc là, l'autre terrain, ça commence là où il y a le grillage. Ouais, là où il y a le grillage. Là. Ah, d'accord. Ok. Un qui s'arrête là et le deuxième qui commence là. Ok. D'accord. Ah oui, déjà là-bas, oui. Sur la propriété qui est entretenue et vous venez ici en voiture. D'accord. D'accord. Il y a un droit de passage pour passer là. Oui, voilà. On vient jusque là. Ok. Et après, vous avez un accès ici par les marches. Oui. Ouais. D'accord. Ouais, ça, c'est pas... Ouais, c'est pas mal. Ça. C'est pas mal, hein, quand même. Moi, j'aime bien. Hein. C'est pas mal. Ouais. Bon, si je vais voir comme ça. Il y a deux pontons. Non, deux pontons. Et une mise à l'eau bateau ici. Là-bas, ouais. C'est le truc que j'ai pas pu. Enfin, là-bas, il y a clairement besoin de. Il y a du boulot, mais. Bah, la propriétaire, pour l'instant, elle n'a pas pu voir le bus. La pire prise. La pire prise. Justement, ouais. Et le bois continue. Oui. Oui. Beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord. À un moment donné, vous allez tourner à gauche et le bois va s'arrêter là. D'accord. Je crois. C'est normal qu'il y a un sauvage. Ah, il y a le haut. Ah, il y a là où tu C'est un deuxième. J'aime mieux celle-là. Ouais. Largement. Ah ouais, ouais, y a plus l'autre est par sentier, devant. Celle-ci il la ressent. Il y a plus d'espace devant, déjà ça change tout. Ouais. Ah oui. C'est pas pareil, hein. C'est plus charmant. Il y a plus de cachet là. C'est moins grand. Oh, les... ça résonne. Oh, j'aime bien quand ça résonne, c'est marrant. Ouais. J'aime beaucoup plus. Ah oui. Ouais, ici vous avez 117 mètres carrés. J'ai pas de senti positif. Ouais, plus de cachet. C'est pas pareil. Quand il dit 117. Oui, 117 mètres carrés, il va être parti là. Ça va faire un côté plus charmant. Hein. Oui. Bah l'autre, je pense que la première cave, c'est plus pour stocker en fait. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Non, c'est là, un projet spécifique. Là, c'est le projet. Bah, tu peux me faire de la lumière. Mais par contre, c'est vrai que. Mais il y a plus de potentiel en ouais. Espace. Mais par contre, parce que ça soit mignon comme ça, ça peut être mignon comme ça. Oui, ah, bien sûr, ça soit mignon comme ça. Mais déjà, t'as moins d'espace devant. Là, t'as plus d'espace devant aussi. Bah, jamais si tu vois en Espagne le monsieur qui nous a fait visiter ça. Ah, c'était l'île de Las Bodegas. C'est en dessous de Ronda. Elle dit qu'il y a tout un village, toute une rue où il y a que des maisons pour le monde. Bah ouais, mais c'est la région. Ouais, c'est magnifique ça. Donc il y a l'eau sur celui-là aussi. L'eau, il faut mettre un compteur aussi. Hein. Bah, pareil. C'est tout comme l'autre. Hein. D'accord. Oui, oui. Par contre, c'était un compteur, comment on appelle ça? Je te filme sous tous les angles, toi, aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est cool. Oh, beau gosse. Bah, j'ai vu à peine arrivé. Ouais. Donc là, je pense qu'il y aurait un petit peu de terrassement à faire quand même pour mettre à niveau. Ouais, c'est pas. Regarde les champignons. Mais c'est jouable, hein. Puis au moins, c'est caché. Ouais, je vais mettre les pieds dans les orties, tu me feras des massages au vinaigre après. Hein. Oui. T'inquiète pas, je suis là. Oui, c'est vrai. Pas pensé à ça. Un visage sans plus, ça va jusqu'au pont là-bas à droite. Hein. Bah oui. Attends, bah oui, ça va jusqu'au pont là-bas. Regarde, on voit que t'es là avec ton véhicule. Ouais. C'est du garde-pont. Ouais. De ce côté-là, la limite, elle est au grillage là. T'as le pont. T'as le pont, la petite tour. On a le pont et la Loire. Au pire, tu trouves des panneaux que tu as. Oui, que tu bouges. Que bouge. Hein. Tu les mets flottants, comme ça tu les mets sur l'eau. Oh, j'ai trouvé les toilettes! Bah ouais, c'est nickel, sinon ça va jusqu'au pont comme ça. Il y a déjà des toilettes. C'est vrai que pour ça. Après, comme je dis, le charme, tu peux le faire un peu, toi. Oui, c'est ça. T'imagines la petite pêche, là? Tu pêches, toi? Non. Il va falloir que tu t'y mettes.
rien. On va où? On va au Burger King. Ils sont braves, ces gosses. Un seul qu'est-ce pas très grave. On va au Burger King. Ils sont braves, ces gosses. T'as eu ce que tu voulais? Oui. Bon, et sur ce coup-là, c'est beaucoup mieux. Du coup, je m'y suis pris à l'avance. J'ai fait la commande sur le téléphone. Moderne. Elle a dit qu'il fallait qu'on fasse une danse de la victoire. Ouais, ils sont obligés. Il faudra faire la danse de la victoire. Oui, je vais te donner le numéro de commande. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on va faire comme danse? Salut à tous, exceptionnellement petite vidéo filmée le jour même, là aujourd'hui, on est vendredi, parce que je voulais revenir sur la vidéo d'hier, sur la journée d'hier. Donc on a vu trois cabanes, trois maisons, trois ensembles, on va dire. Le tout premier, on ne l'a pas retenu parce que au niveau de l'accès, vous avez pu voir, franchement, c'est compliqué, il y aurait beaucoup trop de travaux à faire. On est un peu en hésitation sur la deuxième et la troisième. Déjà, on est en hésitation sur acheter ce type de bien, ce qui est quand même très particulier. Il y a des pour, il y a des contre. On est vraiment dans une phase là où on pèse tout. Voilà, donc dans la deuxième que vous avez pu voir, elle se compose en deux parties. Les trois premières petites cabanes. Et en face, il y a un petit bout de terrain, mais il faut traverser la route pour accéder en bord de rivière. Et ensuite, donc la deuxième petite cabane, qui elle est plus petite, mais qui a un petit peu plus de cachet. De part et d'autre, on a un hectare de terrain sur le dessus, qui est en pente, hein, donc c'est de la forêt, c'est purement de la forêt. On ne sait pas trop pour l'instant comment ça serait exploitable, mais bon, c'est toujours bien d'avoir quand même un petit bout de nature. Et après, il y a la route qui traverse, et de l'autre côté, on a aussi la bordure avec le Loir. Et là, franchement, c'est très sympathique. Il n'y a pas beaucoup de passages en voiture, mais voilà. Nos interrogations se posent sur deux choses concernant ces deux biens-là. La route qui traverse, et l'exposition solaire. Parce que vu qu'on ne peut pas se raccorder à l'électricité, on a besoin du coup de l'énergie d'Eden. Le bus, en tout cas, sur ces biens-là, on peut le stationner. Voilà, j'espère que vous avez quand même un maximum d'informations. Et puis, si vous pouvez nous aider un petit peu à réfléchir, donnez-nous vos avis. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée plutôt du coup. Ce matin, Mamie Nomade et Géotrouve-nous nous ont rejoints, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Allez, et puis tout à l'heure, Benjamin et Mamie Nomade font leur live, 20h30, allez-y.